Bonsoir à tous, et on va donc se terminer le Pac-Man 2 New Adventure. Je trouve d'ailleurs que ce gif animé résume bien la situation de ce jeu. Et quand on aura terminé Pac-Man 2 The New Adventure, attention, je me demande d'ailleurs si je dois vous le montrer, mais on aura un autre fil rouge. Eh oui! Donc quand on aura terminé ce Pac-Man 2 New Adventure, on jouera à ce bazar. Faut savoir que j'y ai jamais joué hein, au jeu Mr. Bean. C'est au moment que je l'ai et que je m'étais dit que je le réservais pour une occasion spéciale. Voilà qui est fait. Alors, on bascule sur la scène principale. Tout est là, tout est ok. Par contre, voilà, il faut que je remette quand même ma save state là où on est arrivé la fois passée. Donc, eh ben, comme la semaine prochaine, comme la semaine prochaine et comme les semaines qui vont suivre, la première heure est consacrée à terminer Pac-Man 2 The New Adventure. Ça va pas être simple, j'ai l'impression. À qu'avoir les pétages de plomb la semaine passée. Mais cette semaine, j'ai pris mon sympatox. Donc, quelque part, ça devrait aller. Voilà. Et en seconde partie d'émission, donc j'ai fait la tombola pour savoir à qui reviendrait l'honneur de me fournir un jeu de merde. Et c'est, je crois, Beyond This Life qui avait gagné la tombola avec Power Pigs. Je sais plus d'ailleurs comment s'appelle le jeu en entier. Salut tout le monde dans le chat d'ailleurs, j'en profite. Power Pig of the Dark Age. J'ai juste vérifié que la ROM fonctionnait. Je l'ai pas testé. J'ai juste pris la pochette qui est d'ailleurs là. Et c'est pas celle-là qui doit... Voilà, c'est la pochette de Pac-Man New Adventure. Du coup, ben, on reprend là où on est arrivé la fois passée, à savoir qu'on avait rattrapé la fleur. Et maintenant, je pense qu'il faut la ramener à la maison. Mais malheureusement, Pac-Man est toujours en mode maniaco-dépressif. Non, toujours pas. Ok, bon. On va se remettre dans le bain, on va le laisser faire un tour de Ducasse. Un petit tour de manège. Quand il aura compris que par là, il peut rien faire, il reviendra de l'autre côté. On va peut-être essayer de le faire se suicider, de toute façon. D'ailleurs, pour montrer de quel côté je suis, moi, je suis totalement du côté des fantômes. Là, il n'y a vraiment pas d'embrouille. Mais il faut quand même le terminer, ce jeu. Peut-être que... Non. Résumé de l'épisode précédent, ouais, on va faire comme dans les séries. Allez, Pac-Man, va de l'autre côté. On a ramassé la fleur, faut la ramener à la maison. En tout cas, je trouve que ce gif animé mais du Pac-Man qui se tape avec un marteau résume mais totalement la situation. Je l'ai trouvé 10 minutes avant le début du stream. Comment faire? La fois passée, on avait fait apparaître le lapin, mais je me souviens plus du tout comment j'avais fait. Non, l'autre côté, l'autre côté. Je crois que c'était en tirant sur une des lianes ou un truc comme ça. Faut que je me remette dans le bain, parce que j'ai absolument pas joué depuis mardi dernier. Par là, avance. M'oblige pas de tirer dessus. Comment j'avais fait apparaître le lapin la semaine passée? Ah oui, oui, le ballon. Il y avait un délire comme ça. Il me semble, après je suis pas sûr, voilà. J'avais regardé dans le trou, ouais. C'est possible, on va essayer. Bon, je pense que Pac-Man, là, on va devoir le faire le... Il va falloir qu'il se petit suicide. Non, c'est bon, il a compris. Allez Pac-Man, si t'as pas envie de mourir, va par là. En regardant dans le trou de l'arbre pour le lapin, d'accord, ok. Par contre, est-ce qu'il faut faire pile poil quand on est dessus ou en avance? On va essayer un peu en avance, non. Il veut pas du tout, mais... Oh! Wouah, mais... Eh, au bout d'un moment... Oh. Quelle catastrophe, ce jeu. Mais bon, j'ai pris mon sympatox, je ne devrais pas m'énerver. Je ne dois pas m'énerver. Je crois que l'énervement arrivera en deuxième partie d'émission avec le Power Pigs. Qui lui...
J'espère qu'il va le tenir, ses promesses. Allez, mais non, mais j'ai bourré. C'est vraiment, c'est le trou avec l'arbre. C'est un truc comme ça, je m'en souviens. Mais pends-toi à la corde, je sais pas, suscite-toi, fais quelque chose. Non, là, je crois qu'il est trop... Pour la peine. Voilà. Ah ouais, mais là, il est tellement... Allez, je crois qu'on va essayer de le faire ce petit suicider. Au moins, il va revenir. Il sera peut-être un peu moins déprimé. Oh putain. J'en profite pour boire une goutte parce que là, c'est juste trop. Voilà. Moi, de mémoire, j'avais fait... Quelque chose... Ah, 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 ah. Non ? Il semblait pourtant tellement que qu'il y avait un rapport avec cette corde. Non? Tu es sûr? Ah voilà! Il fallait pas regarder. Il fallait lancer un caillou dans le trou. Non? Non? Mais t'es sérieux, Pac-Man? Va par là. Par là, on t'a dit. Oula. Déjà, la semaine passée, ça me semblait un peu étrange comme jeu. Mais tu as regardé une fois. Ah, peut-être que... Ok. Oui, le ballon, il est joli, il est jaune. Oh là 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 là. Allez, on va essayer. Allez, Pac-Man, s'il te plaît, un peu de coopération. Je vais pas tirer dessus quand il regardait dans le trou. Non. Je vais réessayer quand même une dernière fois. Là, je suis pile dessus. Non, il veut pas. Donc, il doit avoir, à mon avis, un rapport avec le... Avec le ballon. Lequel, je ne sais guère. Oui, le ballon. Le ballon. Le ballon, crétin. Voilà. Voilà. Je crois que c'était un truc comme ça. Mais non, mais... Oh là là là. Donc c'était comme ça la fois passée que Pac-Man il avait trouvé la fleur. Non, par là, pas de suicide. Terminer ce jeu sans soluce, faut vraiment avoir une patience. Chose que je n'ai pas d'habitude en plus. Si on essaie de tirer sur la corde, je sais pas. Alors si quelqu'un a la solution, j'avoue là, ce serait bien de pouvoir avancer. Là, je vous avoue, je cale un peu. Vite, le ballon! Le ballon, abruti! Oh là, il a encore raté le ballon. Saute si tu veux, voilà, le ballon, il est joli. Tiens, ton ballon! Ah, ça y est, du coup. Ça y est, il est triste.
Ça va être compliqué. Bah, quoi qu'à la limite, vas-y, suicide-toi, ça on recommence, on revient au début. Autant que d'habitude, je dis, proposer des bons jeux à Monsieur Sapin dans Consolemania, mais... Mettez-lui ce jeu sans solution, je serais curieux de voir. Tu crois avoir trouvé? Si quelqu'un a la solution, je vous en supplie, parce que là... Je crois que la boîte de Sympatox que j'ai pris avant de... Il faut tirer sur toutes les lianes. Bah, le problème, c'est que j'arrive pas à... Ah, d'accord, ok. Peut-être dans l'ordre. Ouais, une par une. Pac-Man, l'autre côté, punaise! Voilà. Peut-être que le faire regarder à toutes, sur toutes les lianes. Et un trou apparaîtra dans le sol. En plus, il est vexé, Pac-Man. Non, apparemment, c'est pas ça où il y a quelque chose avant qu'il fallait faire. Ouais, c'est l'enfer et ça fait que 10 minutes. C'est bien. Voilà, enfin passé, j'avais juste tiré sur cette liane là. Bon, je vais réessayer le truc du ballon parce qu'à mon avis, il y a quelque chose que je fais forcément de travers, mais j'arrive pas à deviner quoi. Un jeu pour maniaco-dépressif, sans déconner. Ou pour les rageux d'Internet, c'est au choix. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur GameFAQ, ok. C'est étrange, avec un Z, mais c'est pas vrai. Ah, il est pas content, quoi. Ah, il va par là. Attends, j'avais bon espoir. Là. Oh non, mais voilà de côté, s'il te plaît. Oh là 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 là. Calme. C'est bizarre, parce qu'il s'arrête devant les lianes. Tiens! Je ne comprends absolument rien. C'est ça qui est formidable. Bon, on a essayé le truc du ballon, on a essayé les lianes, on a essayé le truc. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Faut trouver le moyen de remonter le moral de Pac-Man. Un pack de 6, non? Je sais pas, l'emmener au pack striptease, mais... Non, mais là, faut... vas finir par avoir une pack boss, toi, dans 2 minutes? Ah ouais, non, mais là, tu m'as énervé. Là, je te dis. Comment on peut faire? Merde, c'est incroyable, ça. Il tire sur la première lame près des fleurs et le 3 apparaît. D'accord, sur celle-là donc, hein. Il fait quoi? Il faut faire look, il faut juste tirer dessus, parce que là, moi, là, je tire dessus en boucle, là.
Ah bah t'as qu'à avancer aussi, je sais pas. Tu mangerais un peu moins de pack-gomme, Pac-Man, tu serais peut-être pas aussi obèse. Donc il tire sur la première liane près des fleurs. Bah c'est ce que j'ai fait. Suicide-toi, Pac-Man, s'il te plaît. Allez, va, va. Non, il veut pas. L'enfer sur terre, ce jeu, waouh. C'est tiré tout en haut de la liane. Mais oh, en plus, il veut même pas regarder ce que je lui dis, l'enfoiré! Attention, hein. Commence pas. Calme, on a dit, on n'a pas s'énerver. En plus, il regarde encore le fucking ballon. Tiens, ton ballon. Hein. Voilà, tu seras déprimé pour quelque chose. En plus, voilà, tiens, mange. Ouh. J'ai quand même tenu un quart d'heure avant de gueuler. Hein. Tire dessus, elle se déroule. Mais là, il a juste pas envie. Tiens, voilà, tombe. Voilà, allez, casse-toi. Même pas. C'est incroyable. C'est tiré tout en haut, va c'est tiré tout en bas de la liane. En fait, c'est totalement aléatoire. C'est il fait ce qu'il veut, quand il veut, et encore s'il est motivé. Un vendredi 13 et faut qu'il ait la pleine lune. Putain, tu mets là franchement t'es vraiment en train de m'énerver, Pac-Man. Autant que j'ai envie de voir la fin du jeu. Mais je crois que la semaine passée, on a eu énormément de chance de pouvoir ramasser la fleur. Là, je crois que juste, on est parti pour une heure, mais de galère intense. Bon, on va juste essayer de tirer juste sur la dernière liane. Bon, le dépressif chronique, là. Allez. Donc la liane près des fleurs, c'est donc celle-là. Putain. Putain. Quel vieux sac. Mais quel vieux sac. Dépêche-toi. Voilà, super, t'as raté le ballon, bravo. Allez, il va encore faire la gueule. Ah mais moi je vais essayer de... moi je veux qu'il se suicide, hein. Moi je veux totalement qu'il... Voilà, voilà, tombe dans le trou. Au pire, fais le passeport pour aller au stage 3, je... Non, faut y arriver, voilà. Je vais essayer du coup de tirer juste sur la dernière liane. Mais non! Hein? Quoi? Non, 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 pas de password, pas de password. Calme, calme. Je suis connu pour avoir une patience ultra limitée. Putain. Calme. Non? Mais moi, je me souviens que la semaine passée, j'ai tiré sur une liane, il a tiré dessus, il y a le lapin qui est sorti. Et si en fait, ce passage-là, je l'ai déjà fait. Je vais aller voir sur GameFAQ 2 minutes. Parce que, en fait, je pense avoir compris le truc. Parce qu'on me dit qu'il y a la Solus 2 sur GameFAQ. Voilà. J'ai de regarder vite fait. Ah, heureusement qu'il n'y a que 4 missions. Ouais, je te confirme, là. Ma patience est à rude épreuve. Mission... Effectivement, il y en a 4, ouais. Alors.
Alors là, effectivement, ouais, je viens de lire en fait sur GameFAQ, bah c'est vraiment ce qu'ils disent, mais. Je vais réessayer pour moi. Pourtant, c'est bizarre, hein. Attendez. Si ça se trouve, quand j'ai fait la save state, il a la fleur, elle est là. Là, il dit qu'il l'a pas, là, il l'a. Donc, forcément, la fleur, je l'ai. Mais je crois que je vais faire le password pour aller au stage 3 parce que là. J'en peux juste plus. Fais quelque chose. Non. Allez. Un petit password parce que là, c'est juste plus possible. Je prends donc le Joker password. Password Super Nintendo. Tant pis, à partir de maintenant, je triche comme un porc. Alors, password level 3. Ok. Alors, file, on va peut-être faire un restart. Hein. Non, il n'y a pas ça. Reset game. Voilà. On a juste perdu 20 minutes. C'est vraiment le jeu parfait pour celui qui a un ulcère. Allez, mot de passe. Alors, BWH. BWHY 3 7Y. De toute façon, on avait terminé la mission, il fallait juste rentrer. Voilà. Et voilà. On va le faire comme ça, sinon. Sinon, demain, on y est encore. Attendez. Alors, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Junior, il est déprimé aussi. Putain, mais c'est la famille des dépressifs. Allez, prends ton Valium. Qu'est-ce qui se passe, Junior? Raconte-moi ta vie, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé sa gratte. Ah ouais. Et ils sont partis. Oh non, dis-moi pas, il va falloir retourner. Alors, le gars, il passe de dépressif à joyeux, mais en une frame. T'inquiète pas, fiston, je vais la récupérer. C'est pas toi qui vas la récupérer, c'est moi qui vais galérer. N'oublie pas ton billet de train. Super. Puis, il va falloir prendre le train. Eh ben, ça promet, hein. Alors, de quel côté tu vas? Et c'est là que démarre l'aventure. Débile. Comme ce jeu, c'est un pur die and retry, mais qui n'a absolument aucun sens. Si j'arrive à en trouver une copie dans un vide-grenier à vraiment pas cher, je vous promets que je l'achète pour le jeu. Je l'envoie par FedEx, même par livreur aux joueurs du grenier. C'est. Pac-Man, arrête ta musique, les boîtes aux lettres. Je sais, là, faut passer que. Les boîtes aux lettres te fascinaient. Voilà. Là, ici, il fallait donc tirer sur la pomme pour faire venir le truc. Je me souviens encore à peu près. Mais tu vas avancer. Alors, tout à l'heure, il était, mais. Ultra, ultra dépressif. Ah, il fallait tirer dessus, oui, voilà. Calme-toi, calme-toi. Demande s'il faut pas prendre la pomme du coup. Enfin, je crois qu'en avançant à toute berzingue, voilà. Ah non, ça va. Voilà. Si on faisait apparaître le corbeau, c'était pas game over sur ce passage. Ok, c'est bon. Ouh, calme. Regarde par terre, regarde par terre, mais non! Allez, avance, te prends pas le sou. Voilà, allez, game over, super. Allez, on continue. Tiens, balancer des caillasses, moi, tu vas voir. Ça y est, il est redevenu dépressif, en fait, c'est.
Ok. Donc c'est bon. Et si tu avançais? Parce que pour le coup, le truc de l'horloge, je crois que ça n'avait aucune incidence. Voilà, encore une caillasse. Regarde bien. Mais ce jeu est tellement bien. À quand une suite? Voilà, les fantômes. Bah, c'était eux tout à l'heure qui avaient volé la gratte. Reste là, reste là, reste là, non, reste là. Ça, on va essayer de pas se taper. Ah non, c'est bon. Du coup, nickel. L'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Voilà. Oui, c'est là où tu dois aller, ouais. Ouf, bon. Donc, on est d'accord. Alors, on va aller dans un autre endroit. Non, pas encore la montagne. Non. Non, pas la montagne. C'est bon. Ok, donc on va faire un petit tour en ville parce que Pac-Man, c'est un bouseux. Ah, ça sent les embrouilles par ici. Ah, le blond qui bouffe un hamburger, ça a l'air stylé. D'accord. Et si on lui tire dessus, lui, ça fait rien. Si. Voilà. Et si on regarde l'échafaudage, tu pourrais peut-être passer sans. Mais t'énerve pas! Ah, mais carrément! What? Ça pue le game over, tout ça. Ça sent l'ouvrier qui va tomber ici. Voilà, et ça va faire bascule et ça va faire game over. Ah ouais, je me disais aussi. Waouh, mais c'était quoi ce passage? Allez, par là. Et salut, salut. Mais ce passage, il veut juste rien dire. Je demande de regarder l'homme avec l'échafaudage, Pac-Man. Je demande pas de faire tomber son escabeau. Putain, mais c'est pas vrai. Non, 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 non. Tire pas dessus, casse-toi, casse-toi. Punaise. Ok. On va essayer d'aller voir ce qui se passe par là, tiens. Donc, il faut trouver la guitare du rejeton débile. Oh, il y avait un portail là. On va essayer de voir ce qui se passe dans le portail. Non? Oui, non? Non, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Parce que à droite, ça semble un peu évident. Je mange du kiri. Ok. De la poussière et de la poussière dans tes paniers. Bah tiens, Pac-Man, paye-toi un coca, tu seras peut-être un peu moins dépressif, voilà. Quoi? Ça fait marrer parce que même la machine à coca elle lui met le guac. Même la machine à coca elle veut pas de lui. Tu te rends compte un peu? Wouah! Voilà. Ok, il y a les fantômes ici. Donc la tradition veut. Ah, du coup, merde, j'ai gâché une pack gomme, mais c'est pas grave. L'autre côté, bouffon! Allez, donc, c'est un peu comme si Superman, il met sa cape et puis se dit, ils sont par là, moi je vais aller l'autre côté. Merci. Merci, super bouffon. Voilà. Il y a peut-être une chance de les rattraper. L'autre côté, on t'a dit, imbécile!
Mais c'est pas vrai, hein! Bon. On a gâché deux packs de gomme, l'autre côté. L'autre côté. Par là. À gauche. En fait, il est comme Perceval, quoi. Il sait pas où c'est le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Dans la ruelle, non? Tu veux pas aller dans la ruelle? Ça sent le game over avec la flotte. Ah non, c'est bon. Hop. Regarde, regarde le chariot, ne va pas dedans pour tomber. C'est bon. Ouais, un gâteau du fromage qui pue, t'as le choix. On peut rentrer dedans. Non, pas. Ce serait... C'est joli, ouais, tu veux rentrer. D'accord, je parie que ça sert à totalement à rien. Et qu'on va perdre son temps. Bah, à la limite, tu pourrais racheter notre guitare pour le rejeton débile. Me dis pas qu'il va jouer, Putain. Bon, j'en profite pour boire une goutte, hein, parce que là, c'est... Là, non. Autant que je suis quelqu'un de gentil et de tolérant, mais... Si je croise un gars dans un costume de Pac-Man, je sais pas, pour le carnaval... Je le pends en haut d'un arbre. Voilà. Et si tu regardes un peu le marchand de ballon, je vois pas tellement à quoi ça va servir, mais... Ah voilà, c'est bon! Il y a une embrouille ici avec ça, je crois, non? Maniaco-dépressif, ce mec. Waouh. Ah, j'ai raté le poisson. Ah. Quoi? Et il m'engueule en plus. Eh, va par là, hein. Ouais, tiens, regarde le marchand de ballon, reprend un ballon, ouais. Non? Mais va par là, putain! Putain! Va par là, putain! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fait que ça? D'accord, ok. Un hot dog, ok. Et ça te fait marrer en plus! Ah, je m'en sors absolument pas, Flo. J'ai dû utiliser un password parce que... Apparemment, je sais pas, je devais être bloqué dans une boucle spatio-temporelle. J'arrivais pas à sortir du niveau 2 alors que... Mais va... Mon Pac-Man, ça suffit. Ça suffit. Par là. À gauche. J'espère que tu t'es cassé le pied que ça va faire game over. Ah mais... Ça sent la connerie, ça sent la connerie. Barre-toi. Ah, à moi qu'il faut aller là? Peut-être maintenant en revenant? Oh putain. Ah, j'ai compris. Peut-être que maintenant, la fontaine, elle va plus être alimentée. Enfin, je sais pas, enfin... Tout est tellement bizarre dans ce jeu, mais je sais pas... une bouche d'incendie, de l'eau, une fontaine... Non? Ah! Ok, c'est pas grave, on va essayer de continuer d'avancer. Et si tu t'asseyais sur le banc, non? Admettons.
Oui, regarde le gros monsieur avec l'hamburger, non? Pas intéressé. Ok, donc en fait, tout à l'heure, on était arrivé ici. Quand on s'était fait éjecter par le... Si on restait là, non? Un casino marqué Namco. Ça sent les embrouilles, mais je vais quand même voir. Ah non, 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 non! Non, Pac-Man, non! Joue pas, je t'en supplie! Non, non, non! Sors! Parce qu'il y a une salle d'arcade aussi dans le niveau 1 et... C'est l'enfer pour en sortir. Pas casser un carreau de la voiture, non? Ok. D'accord. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le truc le plus bizarre que j'ai vu cette semaine. Non, le fruit t'intéresse pas. Ce banc-là non plus. Donc là, tout à l'heure, on est rentré. C'est là où il y avait le... Non, non, non. Va par là plutôt. Je préfère. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Game over! Ok, on a encore 20 minutes et je crois qu'on n'avancera pas plus loin dans le jeu. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il faut l'énerver comme tout à l'heure avec ces histoires de poissons. À l'heure, je l'avais énervé en tirant sur le poisson. Ah, raté. Ah, ok. Ouais, c'était rigolo, ouais. Par là. Ok, donc il faut éviter de bouffer le fruit jaune, d'accord. De toute façon, j'arrivais pas à lui faire ramasser. Et tout à l'heure, on l'avait énervé avec le poisson et ça avait eu une incidence. Donc là, il devra atterrir ici, le poisson. Eh oh, la poiscaille! C'est pas grave. Le problème, c'est que là, il est en mode je suis heureux, tout va bien. Voilà, peut-être qu'il faut le rendre un peu dépressif. Le caddie, tu l'as vu, rassure-moi. Mais non! Oh là là là. Quel purge ce jeu! Putain, mais c'est incroyable! Ah, on n'avait pas d'abord tiré sur... Oui! J'ai trouvé. Je crois que je me souviens, on avait tiré sur le hot dog sans le vouloir. Ou alors c'est le caddie. Oh là là, je sais plus. Je sais plus. Ouais, repose-toi. Essaye de sniper le poisson. Voilà! Mais il l'a pas vu alors, il est pas énervé. J'avais envie. Voilà, peut-être que... Ouais, en fait, c'était ça l'énigme! C'était ça qu'il fallait faire! Non! Non! Non, mais me dis pas que c'était ça qui... C'était ça qu'il fallait faire! Ouais, attends. Là, là. Bon.
Je vais boire une goutte parce que là j'en peux plus. Heureusement que j'ai pris mon sympatox avant de démarrer le stream. Oui? Le crochet, je sais pas, ça me semble une bonne idée, non? À mon avis, il y a une couille ici, peut-être falloir le tirer dessus, non? Non? Ça va être une embrouille comme au début du niveau 2, je pense. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'avec de l'élan. Non. Bon, il y a bien une embrouille quelque part. Non, même pas. J'essaie de comprendre en fait le mécanisme. Alors, essayons peut-être de le refaire regarder le crochet. Tout à l'heure, il a regardé le crochet. Ouais, il me semble qu'il y a... Ah non, voilà, j'ai trouvé, c'est ça. Voilà, voilà. Il y avait une embrouille comme ça, ok. C'est la première fois que tu lui tires dessus et il est content. Voilà, donc là, il va refaire la même phase. Du moins, je suppose. Pas intérêt à me louper. Ça sent tellement l'arnaque! C'est passé. Du moins, j'espère que c'est le bon chemin. J'espère que c'est pas un chemin à la con qui va mener nulle part. Oh, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver. Encore un saut! Ok. Je crois que le tout c'est de rester calme. Bon, en tout cas, on aura quand même un petit peu avancé dans le jeu. J'ai bien dit la mention un petit peu. Ah non! J'ai raté le saut. Et il est déprimé. Eh, dépressif chronique. Allez. Quoi que non, faut pas déconner, la dépression est une maladie. Lui, il est juste con. Tu vas courir, oui? Allez, petit gros. Faut faire du sport. Voilà, tout à l'heure t'as fait comme ça, c'est juste que j'ai raté le saut, ça arrive à tout le monde. Donne-moi une deuxième chance. Ah! Ah! Voilà! Ah. Eh bien, ce qu'il faut pas faire. Ah ça y est, maintenant il... Quoi? Non, 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 casse-toi! Casse-toi! Casse-toi, ça pue! Quoi? Ok, non, c'est bon. C'est bon, donc je vais revenir... Non! Je reviens là! Ah, j'ai envie de pleurer là. Voilà. Ah, tu l'as cherché, tu l'as pas volé celle-là. Putain, mais ça veut rien dire. En fait, ce passage en haut, c'est un leurre. Je comprends pas. Je comprends que dalle. Ah, lui, il y était pas tout à l'heure. Et si tu regardes le monsieur? Et si tu lui parles? Non? Si tu lui tires dessus? Oh putain. Tiens.
C'est le meilleur passage du jeu, ça. Ok. Est-ce que... Je sais pas, on n'a pas un objet qui... Des passes d'identité, comme il dit. Mais reviens par là! Mais je t'ai pas demandé de lui tirer dans les... L'autre côté. Pac-Man. Sois sympa, l'autre côté. Mais pourquoi il est plus là, lui? Mais c'est... Oh non, mais... Oh là 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 là. Réessaye de boire un coca, va. Et j'ai pas, énerve-toi sur la machine, fais quelque chose. Bon. Là, je dis... GameFAQ. Alors, par contre, voilà, faut pas faire ça. Sinon, vous voyez rien. Alors, GameFAQ, il était où? GameFAQ, voilà. Je crois que c'était ça. Alors... Mission 3. En fait, je comprends que dalle. Going to the city, left. Ok, oui. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, effectivement. C'est pas pour tout de suite. J'ai compris ce qu'il faut faire. Wouah! Regarde le chat. Ok, d'accord. Effectivement, c'est la bouche d'égout. Le temps, en fait, que tu m'écrivais la réponse. Voilà. Ça fait pas game over, ça, quand même. Rassure-moi. Voilà. Ok. Il me semble que c'était par là. Cette histoire de bouche d'égout. Ouais. C'est tout au bout. Il faut regarder la bouche d'égout jusqu'à temps qu'il s'énerve. Bon, là, on n'a plus de pack gomme de toute façon, donc quelque part. Ah, bah voilà! Bah voilà! On l'avait fait apparaître en plus le trou. Pac-Man dans les égouts, tiens, c'est peut-être là où est sa vraie place après tout, hein. Voilà. Voilà! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, fais attention à la souris. Voilà. J'espère que c'est pas un labyrinthe. Hein? J'ai fait casser la gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Ouah, mais c'est une Kyra en fait, Pac-Man. Qu'est-ce qu'il leur a volé? Une pack gomme. Non. Par contre, on dirait qu'il y avait une porte cachée ici. Voilà. Voilà. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Par contre, j'ai plus le chat là, c'est pas bien. Voilà. Oh non! Oh non! 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 Guide! Comment on fait? Et là, c'est le drame. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Donc apparemment c'est Y. Oh putain, c'est la suite du... Je crois que c'est la suite du passage en parapente. Tant que le passage en parapente j'avais fait du premier coup. Non mais là, Donkey Kong Country, déjà j'aimais pas le passage avec le chariot. Mais là je crois que c'est juste pire. Ah, salut Gekuri. Voilà, donc là j'ai vu qu'il y avait un machin qui est apparu. Dégage. Mais non pas. J'ai peur. Ok, il faut faire quoi?
Faut lui tirer dessus du coup pour qu'il s'abaisse. La grimace. La grimace, elle est top tier, j'avoue. Allez, du coup, voilà. Mais est-ce que je te tire dessus? Qu'est-ce que tu fais? Ok, j'ai compris. Du coup, on va potentiellement pouvoir y arriver. Donc là, il y a un fantôme de merde, voilà. Non. Non, j'ai pas été assez vite. Bon. Je crois, en fait, c'est le moment où je dois reprendre mon calme. Ce qui est pas gagné d'avance. Allez. On y va. Faut y croire. Alors, voilà. Lui, là. Voilà. Du coup, là, il faut tracer. Quoi? Faut... En plus, ils disent qu'il faut aller vite, mais pas trop. Salut, Gwim. J'en peux plus de ce jeu. Dans 10 minutes, on change, mais j'ai pas l'impression que ça va être mieux. Donc là, j'ai repéré, il y a fantôme numéro 1. Non, même pas, non. Je crois que ça passera pas assez vite, si. Voilà. Ah d'accord, donc le poulet... Oh, punaise. En fait, tu dois faire 3 choses en même temps, dont 2 qui sont pas simples à faire. Parce que bourrer le bouton jaune, ça te fait aller plus vite. Mais en même temps, il faut shooter les fantômes. Pac-Man, mais non, mais oh là là, c'est tellement... Je regarde s'il n'y a pas une touche qui permettrait de bouger le viseur plus vite. Ce qui, quelque part, serait logique, mais la logique dans Pac-Man New Adventure. Mais je crois que le gif animé du Pac-Man qui se tape dessus avec un marteau, ce sera le gif officiel de l'émission. Hein. Voilà. Ok. Donc voilà, il faut aller vite, mais pas trop. Bon. J'aimerais au moins comprendre comment ça marche avant qu'on change de jeu. Je crois qu'on a, il y en a encore pour 2-3 émissions avant de terminer ce jeu. Voilà, Pac-Man il saute, là voilà, là on tire le caillou. Ok, j'ai fait ça au pif. Du coup j'ai aucune idée de si j'ai fait ça correctement. Wouah, calme-toi, mais... Oh. Ok, donc là, faut que j'essaie de comprendre comment, en faisant n'importe quoi, j'y suis arrivé. Ça va pas être simple. En fait, j'ai l'impression que tout a un ordre, en fait. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tirer sur Pac-Man. À peu près ici, voilà. Tirer sur le caillou. Moi, tout à l'heure, j'ai fait comme ça, ici. Voilà. 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 Ah! Ok, donc il faudrait réussir à tirer sur les trucs. Voilà, là, ça veut rien dire. Ceci ne veut rien dire. Mais je commence à comprendre un peu le... Je dirais pas la logique. Je dirais plus le... Le délire avec les contrôles. Voilà. Voilà. Ah, mais tu fais comment? Et si on tirait sur le... Et si on tire sur le truc? Ah ouais, mais du coup, Pac-Man, il va... C'est Pac-Man qui va sauter, pas la... Pas le kart. Enfin, pas le chariot. Ah, mais ça veut rien dire, en fait. Bon, quelque part, c'est pas une découverte. Alors, ok, donc tout à l'heure, on l'a fait comme ça, mais non!
Mais proposer ce jeu à Monsieur Sapin dans Console Mania. Mais quoi que ce serait moins marrant, ce que Monsieur Sapin, c'est pas un rageux comme moi. Forcément, ce serait pour le coup beaucoup moins drôle. Alors, là, on a fait ça, ok. Ok, donc, ici. D'accord, j'ai rien compris, mais je suis d'accord. Bon, c'est pas grave, dans 5 minutes, on va passer à Power Pigs of the Dark Age. Mais j'aimerais au moins comprendre le système. Alors, il faut peut-être tirer que quand ils sont en l'air. Le caillou! Le caillou, ok. Ah mais non, c'est vrai. Il faut doser l'accélération. Voilà. Doser l'accélération. Tirer sur Parpaint pour le faire sauter. Et tirer sur les fantômes. Tirer sur les obstacles qu'il y a sur le truc. En fait, t'as juste quatre choses à faire à la fois. Ce qui quelque part serait réalisable, hein, si t'avais pas le héros le plus dissident de l'univers. Mais non, mais non, mais... Ok, et là c'est passé, alors j'ai pas voulu... Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ah, je me suis dit ce coup-ci, je vais essayer... Ah, essayer d'accélérer. Salut Jago le War. Jago le War, excuse-moi. Ah, je crois avoir compris. Peut-être faudrait accélérer en fait à ce passage. Ok, on va essayer. Je garantis rien parce que c'est quand même... Voilà. 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 Et là maintenant, on va essayer d'accélérer à fond. Voilà. Même en y allant YOLO, ça passe pas. Allez, dernier essai, puis après on change de jeu. On passera sur la suggestion de Beyond This Life. À savoir le jeu Power Pigs of the Dark Age sur Super Nintendo. Moi je vais bien, sauf que là je suis en train de jouer à Pac-Man 2 The New Adventure. Bon, l'heure est grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une save state pour reprendre la semaine prochaine. Voilà. On va faire comme d'habitude. On va en faire une deuxième. Je vais lancer 5 minutes de pub, histoire de pouvoir me faire un café et aussi d'aller aux toilettes. Et on revient après pour Power Pigs of the Dark Age. Allez, je vous laisse avec la musique de Cheetahmen, meilleure musique de l'univers. À tout de suite.
Allez, de retour pour la deuxième partie. Alors, il faut que je fasse ça. Voilà. Et que j'enlève le screen de Pac-Man. Voilà. Il faut maintenant charger le jeu. Je crois qu'il est en récent, non? Ouais. Voilà. Alors, par contre, il faut faire comme ça et comme ça. Ils m'ont vendu leur dernière NES à 50 euros en bon état selon la personne qui l'a acheté. 129 euros une Dreamcast. Ah, en boîte, ouais. Attends, sachant qu'une Dreamcast en boîte, c'est une centaine d'euros. Waouh, c'est quoi ce graphisme? C'est moche. Pour commencer, c'est moche. 10 euros le Donkey Kong. C'est avec une pile morte à 10 euros, je t'en trouve un largement. Faut voir après ce qu'il y a exactement dans ce genre de magasin. Mais que je te dis, apparemment, ce que je te disais dans le chat, il y en aurait un magasin qui s'ouvrirait sur l'île. C'est ce que j'ai vu sur leur site. Je vais revérifier. Dynamite Games. Voilà, hop, c'était ça, Dynamite Games. Alors, apparemment, ils disent recherche de partenaires et à Arras en attente. Faut voir, où est-ce qu'il y en aurait un autre? Je vois qu'il y a Amiens, c'est pareil, en cours recherchons partenaire. Bon, j'ai l'impression que c'est un truc qui est en train de se lancer. Ça n'arrête pas de bugger, je sais. En fait, c'est la pub de Bloodborne qui fait bugger mes pubs. J'ai pu le remarquer. C'est chiant. Et surtout, j'y peux absolument rien. C'est ça le pire. Alors, The Dark Age of Donut, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bon, allez, on va essayer de voir déjà ce que c'est ce jeu. On va pas aller voir tout de suite dans les options. Donc pour rappel, on a donc maintenant 50 minutes à jouer à ce jeu de chiasse. Bourrez les propositions pour la semaine prochaine. Ok, d'accord. Donc, Y frapper, B sauter. Là, on balance des donuts, d'accord. L et R servent à rien, d'accord. Butt slam. Oh là 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 là. D'accord, donc on ne va pas rentrer dans les bâtiments. Pas monter sur le mur, non, on aurait dit, mais. Ok. Je pense que ça va être un délire, vous. Ouais. Même pas. Voilà. Peut-on aller sur le toit? Oui. Mais pourquoi il est tombé tout seul, lui? Ok. Pourquoi ce jeu est aussi moche? Alors, je sais bien que c'est fait par Titus, ceux qui ont fait quand même le formidable Superman 64. Ils ont pas fait aussi un jeu avec Xena la guerrière ou un truc comme ça. Oh, c'est pas Titus qui avait fait les aventures de Mokhtar sur Amiga et Atari ST? J'ai bien l'impression que si. Oh là là, ce jeu vraiment pas maniable. Ok. Sinon, pour essayer d'atténuer un peu le l'aspect hyper mauvais du jeu, il y a un Nintendo Direct qui est prévu apparemment demain. Enfin, le 2, qui est prévu pour le 2 avril. J'ignore ce que ça va donner. Oh là là là. Sorti en 95 aux USA, 87 en France. C'est moche, hein, pourtant. Voilà. Ouais, super, on récupère un donut. Ah ouais, je me doutais bien que les aventures de Mokhtar, c'était eux. J'ai pas oublié ce jeu.
voilà. Faut donner un coup de cul là-dedans. Ok, donc c'était le checkpoint. Moi, je suppose. D'accord, comment on monte là-dessus? Je sais pas. Oh là 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 là. En tout cas, la musique, c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais, même si c'est une boucle à la con. Ah, mais... Non. En fait, ça a l'air d'être l'un des classiques de Titus avec des problèmes de collision. Beaucoup de jets faits par Titus, en fait, ont des hitbox un peu dégueulasses. J'ai l'impression qu'il en fait partie. Genre de jeu où t'as intérêt à être hyper précis et à être attentif. Je veux récupérer le donut sans... Voilà. Sans tomber. Ah, le jeu de chiasse quand même. D'accord. Ok. Génial. J'essaie de trouver une astuce, non? Pour la peine, voilà. D'accord, super. Un cochon volant. C'était pas l'une des pochettes d'un album de Pink Floyd? L'album Pigs, je crois. Enfin, moi, j'ai toujours appelé comme ça cet album. Ici, où il y avait un cochon volant au-dessus d'une usine. D'accord. C'est super tout ça. En tout cas, faites déjà des propositions pour la semaine prochaine. Sachez que je fais un tirage au sort, hein. Je ne fais pas de choix. Ça sent la mort. Non, Rocket Knight Adventure, c'était un bon jeu. Certes, il était dur, mais... Pas de blasphème. D'accord. Ok, donc là je peux plus rentrer, là je peux pas aller. Me demandez pas comment j'ai fait. Il veut rien dire en fait ce jeu. Qui aurait envie de jouer un porc armé d'une épée? D'accord. Mais totalement quoi. Plus les cochons, je sais pas si vous avez... Pas les cochons, les loups, ils ont totalement le drapeau américain sur eux, mais il y en a certains entre eux du moins. Ok, donc un boss de fin. L'arme des donuts à balancer, mais... Ok. Ok. Bon, passons le bruit de flatulence. C'est quand même... Un joli bruit de paix. West Bloodhole Forest. D'accord. Pourquoi pas. En fait,
les niveaux sont longs et on se fait chier en fait dans le jeu. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment. Mais tout à l'heure, j'ai réussi à faire un. Ah, j'ai compris. Quand tu arrives en haut, voilà. Mais est-ce qu'on peut monter au moins sur la branche? Ou c'est une action irréalisable? C'est une action irréalisable en fait. Ok, c'est super. Dur à trouver, complet, mais en même temps personne ne le recherche. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Regardez, quand vous bougez un peu, vous voyez en fait la marque des grands jeux. C'est quand vous bougez un peu et que le personnage, voilà, il n'a aucune animation sauf qu'on dirait qu'il est un peu poussé par le vent. Ça, vous savez que c'est la marque des grands jeux, ça. En tout cas, je sais pas si vous avez été ambiancé par l'annonce du début de ce moment de torture, qui est quand même the bonne nouvelle. C'est-à-dire l'annonce du prochain jeu quand on aura terminé le Pac-Man New Adventure. Alors j'espère vraiment pour le coup vous êtes ambiancé. Mais il fait chier ce petit truc, c'est quoi? Ouais, mais quelque part Boogerman... Ça pouvait être sympa quand t'avais 8 ans. C'est avec l'humour un peu pipi caca, les crottes de nez, les bruits de prout et tout. Ça pouvait être rigolo quand t'avais 5 ans. Mais le jeu là, je crois que quand t'as 5 ans. Et même maintenant, quand t'en as 31 comme moi, tu te dis. Y'a un problème. Ok. C'est vrai que ça pique les yeux. C'est pas non plus ultra moche, mais faut quand même avouer que... C'est loin d'être un jeu acceptable graphiquement pour la Super Nintendo. Boogerman, à la limite, c'était même plus beau. Je m'aventure à le dire. D'ailleurs, c'est un jeu que j'ai pas, Boogerman. Faudrait que j'essaie de le trouver. Mais je me lancerai pas comme défi de le terminer. Moi, Pac-Man 2, là, il m'a vacciné. Tiens, chérie, joyeux Noël 97, ouais. C'est pas faux. Mais je me dis que ce qu'on pourrait faire aussi, de temps en temps, c'est des jeux un peu honteux qu'il y avait sur Amiga, Atari ST. Des jeux comme Brad Stallion. J'en ai faim il y a pas longtemps sur Atari, je me suis beaucoup marré pendant une soirée. Mais pour le coup, le terminer, non, parce que c'est une espèce de camoulox débile, avec des situations un peu malsaines. Mais pour le coup, je m'attendais vraiment à pire avec ce jeu. Bon, la semaine passée, Home Improvement, le jeu, il m'a refait le trou de balle. Et j'ai pas honte de le dire en plus, le jeu. Il était d'une difficulté de chien crevé. Ça encore, ça allait. C'est un jeu qui est purement chiant. Donc tu peux lui pardonner. Tandis que comme Improvement, c'était un sort de cumul de tout ce qu'il y a de pourri dans certains jeux rétro. À quand Dragon's Lair Super NES? Alors, j'en profite. Dragon's Lair NES, je l'avais fait à l'époque de Twitch. Pas en entier. J'avais fait ce que j'avais pu supporter en plus de 2 heures. La suite Super NES, même pas en rêve. Même pas en rêve. Mais vraiment, même pas en rêve. C'est... De toute façon, j'ai le droit à un veto par émission, vis-à-vis du jeu que vous choisissez. Vous pourrez bourrer Dragon Slayer tant que vous voulez. Ce sera veto. Mais vraiment, veto. Là... Pff. De toute façon, le jeu a été interdit par les conventions de Genève. Quoique, j'étais en train de dire que le jeu était pas aussi dur que Home Improvement. Je crois que je devrais apprendre à fermer ma grande gueule de temps en temps. Boogerman, je l'avais moi aussi, je l'avais terminé à l'époque. Hein.
Il est dur, effectivement. C'est quoi ce boss? Ah non. J'avais pas vu que quand tu meurs, en fait, ton cochon, il est transformé en jambon. Waouh. Waouh, c'est épique, en fait, ce jeu, quoi. C'est... Ok. Mais... Comment on le tue, ce boss? Apparemment, je lui ai fait du dégât. Faudrait lui sauter dessus, alors. Non? Ah, Takeshi no Shushenjo, je l'ai, moi, sur Famicom. Mais si on vient à le faire, il faudra prendre une version traduite, parce que... Moi, déjà, je parle pas le japonais. Donc, faudra prendre une version traduite. Mais pour le coup, ça pourrait être un jeu de totalement rigolo à faire. Le problème, c'est que j'ai pas tellement envie de faire les mêmes jeux que le joueur du grenier a fait. Donc c'est pour ça, pour commencer, c'était très bien que le fil rouge de l'émission soit le Pac-Man ou Adventure. Parce qu'on était sûr d'être que ce soit un jeu qu'il n'ait pas fait. Sur quelque part, le joueur du grenier fait pas, il finit pas non plus tous les jeux de merde auxquels il joue. Et heureusement pour lui, d'ailleurs. Sinon, je crois vraiment qu'il deviendrait dingue. Oui, Takeshi no Shushenjo, on pourrait totalement le faire. Sur le jeu, je l'ai sur Famicom, on me l'a donné. C'est vraiment pas une connerie. C'est le vendeur d'un grand magasin de... Enfin, d'un très bon magasin de jeux sur l'île, qui avait du jeu Famicom en loose. Du petit jeu un peu dégueulasse. Quand j'ai vu le jeu, j'ai rigolé, il m'a dit celui-là, je te le donne si tu veux. J'ai accepté pour le délire. Voilà. Ok. En fait, je crois avoir compris un peu ce mode de fonctionnement. Hein. Ok, donc là, quelque part, si on attend un peu... Senseiya, la légende d'or sans cheat code, ouais. Je l'ai, je crois, en plus, celui-là aussi, hein. D'ailleurs, en parlant d'anecdotes de jeux un peu comme ça pourri à l'époque sur NES, il y a des différences majeures entre le Dragon Ball qu'on a eu chez nous et la version Jap. À savoir que le passage où dans le genre du grenier, Sangoku, il dit « Ah, je crois bien que c'est du riz avec Tortue Géniale. » En fait, ce que Tortue Géniale y voit, c'est la culotte de Bulma qui tourne autour de lui. Ok, donc je pense avoir compris éventuellement. J'aimerais bien au moins qu'on puisse se farcir le boss, parce que pour l'instant, étant donné que je rage pas tellement... Ça, mais tu vas monter sur le truc, ouais. Ah, putain. Voilà. Voilà. Donc je pense que si on revient là... D'accord. Vous voyez, il y a quelques différences comme ça dans la version Jap du Dragon Ball qu'on a eu nous sur NES à l'époque. J'ai les deux versions d'ailleurs. J'ai même en boîte d'ailleurs le Dragon Ball. Lors d'une convention, je l'avais trouvé, j'avais sympathisé avec un vendeur, il me l'avait fait à 30 boules. Il m'avait fait à 30 euros il y a un petit moment. Il y a plus d'un an, il me semble. Il me semble que déjà à l'époque, le jeu en boîte complet, il était, mais. Il était à ses côtés. Ok.
Donc je pense avoir compris un petit peu son mode de fonctionnement. Celui-là, on va essayer de prendre son temps, hein, et pas y aller YOLO, parce que de toute façon, avec les jeux comme ça, y aller YOLO, généralement, c'est la mort. Bonkers, ouais, peut-être, faudrait voir. Parce que moi, dans l'idée, j'ai plus le souvenir que c'était des jeux pas trop mal, donc... Ah, Beethoven, oui. Là, par contre... Alors, voilà. On va essayer de remonter là. Parce que tout à l'heure, ça me semblait un safe spot assez intéressant. Mais faites des propositions, de toute façon, pour la semaine prochaine. Le fil rouge étant Pac-Man 2 New Adventure, tant qu'on l'a pas terminé, je change pas de fil rouge. Après, de toute façon, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, le jeu qui servira de fil rouge quand on aura terminé le Pac-Man New Adventure. Voilà. Donc là, je crois que si on fait ça, on est à peu près safe. Voilà, ok. Je suis en train de fusionner avec le jeu, même si le boss est incroyablement résistant. Voilà, donc là, c'est le passage où il faut tirer les deux notes. Et là, c'est le passage où il faut... Ok. Voilà. Ah, zut! Zelda 1 Master Quest. Enfin, dans le délire, c'est pas vraiment un mauvais jeu. Enfin, c'est même pas du tout un mauvais jeu, le premier Zelda. C'est là, on est vraiment là pour se torturer sur des vrais jeux de chiasse. Parce que le Pac-Man 2 New Adventure, je sais... Putain, mais ce boss, il meurt quand? Il meurt un jour où le jeu, en fait, il boucle. Voilà, donc on va remonter vers le safe spot. En tout cas, la musique du boss, c'est une bombe, quoi. Je joue sur émulateur parce que ce jeu magnifique, je l'ai pas, en fait. Autant Pac-Man 2 The New Adventure, je l'ai. Salut Radius, salut tout le monde d'ailleurs. Mais il meurt jamais ce boss en fait, hein. Oui, j'avais bien compris Dashpit que tu disais que Zelda 1 Master Quest, c'était juste trop dur. Et si, il faudrait... Oh, je crois avoir une idée là. Il meurt jamais ce boss en fait, hein. Et dire que c'est que le boss du premier niveau, ouais, ça fait 5 minutes que je suis dessus. On ne voit jamais faire des... C'est une blague, ça... Sympa Panus, tu rigoles? J'adore les jeux de baston. C'est juste que j'essaie un peu de pas faire les mêmes choses que mes collègues sur Gaming Live. Mais sinon, moi des jeux de baston bien pourris, mais j'en ai un paquet, mais... Essayez de casser les oreilles d'abord. Ben, c'est ce que j'essaie de faire, mais malheureusement, il me laisse pas approcher le fumier de lapin. Ah, mais c'est pas vrai! Les jeux de baston pourris, j'en ai plein. J'ai même Kasumi Ninja sur Jaguar. D'ailleurs, c'est un jeu qu'on fera totalement à l'occasion. Et par contre, il faudrait que j'arrive à retrouver une manette Jaguar. Parce que la mienne, j'ai un bouton qui est cassé dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû quasiment annuler le spécial Jaguar. Parce que... Voilà, ouais, d'accord, mort. Transformer jambon. Street Fighter 1 sur 2, ce Yapir. Street Fighter 1 sur Amstrad CPC. Je crois qu'il existe et je pense l'avoir fait déjà par le passé. Non. Et j'ai... Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Ah non!
Faut se retaper le niveau en entier, non. Pff, oh non. Oh l'angoisse. Tu vois, généralement, c'est le genre de jeu où quand t'es arrivé là et que le jeu fout tellement de ta gueule, bah, tu finis par rage quitter en fait. T'éteins ta console et puis... Et malheureusement, là, on peut pas. Je peux pas rage quitter avant... Ah merde, 25 minutes. Mais tu vas te barrer, ouais. Si, si, il me semble que ça existe vraiment, Street Fighter 1 sur Amstrad CPC. Je crois que je l'ai. D'ailleurs, c'est pareil, de l'Amstrad CPC, moi, je voudrais bien en faire, même dans le guide du collectionneur, mais faudrait que je vois, niveau émulation, comment ça se passe. Autant l'Atari ST, je vais faire le compte de ce que j'ai en disquette fonctionnelle. Si je vois que j'ai de quoi faire, bon, j'essaierai de faire une backup strat avec de l'émulation. Et éventuellement streamer depuis le vrai hardware. Que c'est beaucoup plus facile de streamer de l'Atari ST que de l'Amstrad CPC, bien entendu. Voilà, version 2, GE2, il y a joué il y a pas longtemps, ouais. Ah là là là. Pas concentré dans ce jeu de chiasse, alors... En fait, le jeu est quand même beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. En le lançant, honnêtement, après avoir fait le premier niveau, je me suis dit, ouais, c'est le genre de jeu, tu peux y aller YOLO. Mais en fait, non, le jeu, tu t'aperçois qu'il est quand même énormément mal foutu. Qu'en fait, tu peux faire un double saut vrillé, mais uniquement après avoir pris une sorte de truc d'aération. Tu peux pas le faire au naturel, ce qui aurait peut-être grandement aidé. Voilà, tu as en fait les loups qui balancent des boules de feu qui, eux, pour le coup, sont super chiants. Voilà, t'as différents ennemis qui sont, mais... Certainement les ennemis les plus ridicules que j'ai vus dans un jeu. Même Verdi a galéré, oui, je me souviens. Mais... Va falloir que j'essaie de voir si éventuellement il y a pas moyen d'aller faire un petit coucou au loco Gaming Live le mois prochain. Parce que pour le coup, moi je ramènerai totalement la Jaguar et Kasumi Ninja. Histoire, je sais pas, de demander à Verdier si ça le brancherait de le faire sur le vrai hardware durant l'émission. Ce Kasumi Ninja, attention, hein, c'est. C'est quelque chose. C'est un jeu qu'il faut totalement respecter. Même si les voix, on dirait qu'elles ont été faites par Michel Leb. En plus, je l'ai complet et en boîte. En plus, je l'ai trouvé dans des circonstances assez amusantes que Kasumi Ninja. Donc, c'est un jeu que je cherchais depuis un petit moment. Hein. Je le cache pas. Et j'ai été invité, en fait... pour parler de ma boîte sur une radio associative. Et je savais que le gars, en fait, qui allait m'interviewer, c'est un grand fan de l'Atari Jaguar. Et c'est pas une connerie, hein. Le gars, je le connaissais un petit peu. Je savais que c'était un grand fan de la Jaguar. Et deux minutes, en fait, avant d'aller à l'émission de radio, et ben, je tombe sur le jeu. C'était juste fabuleux. D'accord, en fait, je suis mort. J'essaie en fait d'y aller YOLO avec les oreilles, parce qu'apparemment on me dit que c'est ça qu'il faut faire. Ok, peut-être en faisant bas, je vais acheter une Super Nintendo avec ce jeu, rien que pour ce jeu. Et ben, à la limite, si tu veux te faire tous les jeux de chiasse, achète une Super Nintendo et un Super Everdrive. Tu mets tous les jeux de la console et puis t'es bien, quoi. Je l'ai testé dans l'émission, dans le numéro 19 du guide du collectionneur, le Super Everdrive. Si jamais tu veux plus d'infos. Ah, oh, putain, mais c'est impossible! Comment tu l'approches, lui? Oh là là. D'accord, je regarde. Je regardais l'heure. J'essaie de trouver une astuce.
Ou alors faut y aller YOLO. Les premiers hits, même pas. Il me laisse même pas passer. Comment tu veux que je fasse ça? Ah oui, bien sûr. Oh putain. Non. Je cherche une stratégie, mais... Ah d'accord, en plus, faut que je me retape le stage. D'accord, on est bien. Mais pour le coup, je préférais quand même rejouer à Pac-Man, hein, de The New Adventure. Ah, mais non! Concentration, monsieur Chou. Concentration et abnégation. Quand tu joues à un jeu de chiasse. D'accord. Donc lui, il va balancer. Lui, il me fait le loup. Ce loup-là qui balance des trucs bizarres. Il me fait penser au personnage de Kasumi Ninja, en fait, qui... Il n'y a pas de poste dans le jeu. Ah si, la poste, c'est Select. Il fait penser au personnage de Kasumi Ninja qui balance des boules de feu en soulevant son kilt. Il balance des boules par son... Enfin, par ses boules, tiens. Là, j'en profite, tiens, on va faire une petite pause 30 secondes. Que le prochain jeu qui sera joué après Pac-Man 2 New Adventure dans son intégralité, ce sera ça. Ce jeu, c'est cette dobe infâme. Le jeu Mr. Bean sur PlayStation 2. Et j'ai peur. Mais pour le coup, vraiment peur, quoi. Parce que j'y ai jamais joué. J'ai juste regardé un peu comment il était noté. J'ai même pas lu un test pour voir le gameplay. J'ai trouvé une chose intéressante dans le dans la notice. Je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est assez rigolo. Ouais, on le fera sur le vrai hardware, hein. De toute façon, le jeu Mr. Bean, hein. J'ai aucune intention de faire en émulation. Donc, à la fin du jeu, enfin, la notice, déjà, elle fait 20 pages, même pas, hein. Ouais, 20 pages. Vous avez, en fait, bah, chef de projet, crédit et tout machin. Alors, c'était où j'ai trouvé ça? C'était assez rigolo. Ah, zut, c'était où? Oui, le responsable des ventes s'appelle James Cato. Ou James Cato. Donc en fait, il aime le scato, enfin c'est de la merde, c'est une blague toute pourrie, je sais, je vais me sauver. Mais là, après 1h40 à jouer sur des jeux de chiasse, au bout d'un moment... les jeux de mots... Mais voilà, j'ai jamais réussi à passer ce truc là. Ah oui, mais Megaman X7, et je l'ai, j'ai même, je crois... C'est X8 aussi, hein, qui est bien pourri d'ailleurs. Sont un peu comme une claque géante dans les couilles à tous ceux qui aiment bien Megaman. Et j'ai les deux. Je vais essayer dans les prochains jours de me procurer une manette Jaguar parce que ça pourrait être intéressant de bourrer du jeu Jaguar dans l'émission. Wow! Ah! Mais est-ce qu'il n'y a pas un bouton, je sais pas, un truc que je comprendrais pas? Non. Alors, du coup, on revient au boss. Et si on va par là, il n'y a pas des trucs à récupérer? Ok. Mais il a disparu, le donut? Oh. Ah! Récupère le donut, bordel! Ah, cette musique, mais... On essaiera aussi de se faire Cheetahmen, d'ailleurs... Et la musique d'attente des pubs de cette émission. Aussi réputé pour être un jeu de classe mondiale. Encore. Bon, pour vous expliquer, le cochon, il aurait une attaque un peu comme dans Zelda 2, où ça y est, le coup d'épée vers le bas.
ça pourrait passer. Mais là, c'est juste impossible. Ou alors, il y a un truc que je... Il y a une subtilité. Puis le lancer de donut, hein, ça sert tellement à que dalle. Oh là 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 là. Voilà, donc j'en ai eu un sur deux. Ah, j'ai peut-être une idée. Je vais essayer de voir si on peut le faire comme ça. Non, pas comme ça. Voilà, donc là, faut remonter, mais non. En fait, il n'y a rien en fait qui te dit comment et à quel moment tu peux remonter, en fait. À quel moment tu peux sortir du premier pattern. Ok, tout à l'heure, il donnait un donut, maintenant, il en donne pas. Va te faire foutre, c'est le message de ce jeu. Ok, donc ma technique était d'attendre là. Ouais. T'as raison. Attends tranquille, de façon... Cette technique ne marche même pas. Mais t'es dit qu'en avançant là, au moment, on pouvait éventuellement, mais... Voilà, puis en fait, sa hitbox, en fait, elle est totalement dégueulasse parce qu'elle est pas vraiment sur sa tête. Totalement un jeu de l'angoisse, bon. Quelque part, dans un quart d'heure, j'en serais débarrassé, mais... Voilà, bah même pas, je peux même pas avancer, saloperie. Je vais y aller, YOLO, je m'en fous. Voilà, tu m'as saoulé. Voilà, je vais prendre du dégât si je reste là. Comment on peut faire? Oh là, mais c'est impossible. Ah, et effectivement, il n'y a vraiment pas que Lightbox qui est dégueulasse. Hein. Oh ah, j'ai peut-être une idée. Il y a ça, il y a que ça, j'ai pas tenté. Effectivement, ça, je l'ai pas tenté. Ouais. Du coup, je me dis que c'est peut-être la bonne idée. Ah, mais non, mais laisse-moi approcher aussi. Ah, ok, non, je prends du dégât. Bah, je sais qu'il faut péter les oreilles, mais il me laisse pas approcher. Il me laisse littéralement pas approcher sa deuxième oreille. Bon, là, au bout d'un moment, voilà. Mais t'es dit qu'en y allant coup de cul... Ah, voilà. Ok. Le problème, c'est que j'ai plus que... Ok, d'accord. Je sais absolument pas comment j'ai fait. Hein. Là, faut être honnête et lucide. Ah, le GG. Ah, c'est bien. On va changer un peu de paysage. C'est cool, c'est cool. Du coup, j'ai le droit de boire une petite goutte. Quoi, le stage est pas fini? Non, arrête! Non! Non, non, non! Du coup, j'ai peur. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bien, on va changer de paysage. Bubsy 2! Non, 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 non! Enfin, faites-moi des propositions. Pour l'instant, on reste sur les jeux 8 et 16 bits. Faites-moi des propositions. Si effectivement PUBG 2, c'est une proposition, qu'est-ce que je bois? Je bois du thé à la menthe d'une marque avec un bouchon vert dans un mug Pac-Man avec les fantômes. Parce que vu qu'il est dissident avec moi, je ne suis pas du côté de Pac-Man, je suis du côté des fantômes. Bref, effectivement, si ça fait partie de vos propositions, Bubsy 2... Bah attendez, ce qu'on va faire,
c'est je vais aller prendre le carnet et on va faire comme d'hab, on va prendre les propositions. Parce que là, on est dans le dernier quart d'heure. Je reviens. Alors, avec le crayon Pikachu qui va bien. Du coup, ben, j'attends vos propositions, le temps que je continue à jouer encore un petit peu sur ce jeu magnifique. Ok. Ah, ok. Oui, je bois du thé à la menthe parce que j'essaie d'arrêter le café en ce moment. Non, il me faut impérativement du jeu 8 et 16 bits pour que ce soit facilement émulable. Parce que c'est pas forcément des jeux que j'ai. Après, si vous voulez vraiment qu'on fasse sur le hardware original, il faudrait que je vous fournisse la liste de mes jeux de merde que j'ai sur Super Nintendo. Ou sur NES, ou Master System, ou Mega Drive. Oh ! D'accord. Donc là, en fait, on va devoir se retaper une partie du niveau, si j'ai bien compris. Magnifique. Après, quand c'est des jeux que j'ai déjà sur PlayStation 2, bah comme... Le jeu que vous me proposez dans la seconde partie de l'émission, faut que ce soit un jeu qui, quelque part, soit déjà émulable. Et il faut aussi que ce soit un jeu qui soit... comment dire, sur lequel on ait le temps de faire beaucoup de choses en une heure. Enfin, beaucoup de choses. Si c'est entre guillemets un RPG ou un truc comme ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à mettre en place, en fait. Attention, hein, c'est pas que je veux pas. Hein. Je crois que la question n'est pas là. Mais c'est pour ça que les jeux de plateforme sont un peu. Se prêtent énormément à ce type d'exercice, à savoir. Faire des jeux de merde. Ok. Après, moi, les RPG, j'ai rien contre. Après, un RPG de chiasse, on peut en faire un comme fil rouge dans les pour les prochaines émissions. Et là, on a déjà Pac-Man New Adventure à terminer. On a aussi le jeu Mr. Bean à faire. Donc là, pour le coup, faut vraiment proposer un jeu pour lequel, entre guillemets, une fois qu'on l'a terminé, je lui décerne une note allant de 5 crottes de nez à... une bouse de vache, et puis après on peut entre guillemets passer à autre chose. Il faut vraiment que le jeu soit vraiment mauvais, chiant ou malsain, ou avec une thématique de fou, comme un peu les jeux de cul qu'il y a sur Amiga ou Atari ST. Le problème, c'est que pour ce genre de jeu, je sais absolument pas si j'aurais le droit de les faire sur ma chaîne Dailymotion. Ou alors, faudrait les faire tard le soir. Quoique, j'ai vu que KD, actuellement, il fait... comment ça s'appelle, ce jeu? C'est pas vraiment un jeu de cul, c'est un jeu un peu malsain, certes. Ah, c'est quoi, ce jeu? Merde, j'ai un trou de mémoire. Ou par contre, le checkpoint, il est là, voilà. Okay. Je cherche, attendez. Laser Shoot Larry. Voilà, Laser Shoot Larry. Même si j'en ai quelques-uns de jeux de cette série, je préfère les laisser à KD. Il faut pour le coup que ce soit qu'il y ait vraiment ou un jeu qui soit ultra dur, ou un jeu chiant, ou un jeu très bizarre comme Pac-Man New Adventure, qui n'est pas que un jeu à la limite de l'injouable, qui est un jeu absolument débile. Et parfois même malsain quand on voit les tronches que Pac-Man y fait. Je dirais que pour le coup qu'il est vraiment dépressif. Donc profitez là pour me faire des propositions.
Les Larry, je les laisse totalement à KD, parce que bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour refaire des... pour refaire des choses que mes collègues font déjà, j'aime mieux pas. Voilà, ok. Donc les Larry, je les laisse vraiment à KD, parce que... Bah déjà, parce que je regarde aussi quand il fait les Larry, et je me marre bien aussi. Contrat Hard Cops en... C'est sur quoi déjà Hard Cops? Mais dégage! On dira Harley Quinn, mais... Déguisé en loup, ça veut rien dire. Tu penses trouver un créneau sur la chaîne Rétro 1D de Gaming Live pour le moment de torture? Je ne sais pas. Parce que bon, c'est un concept que j'avais dans mes cartons que je voulais faire. Si à l'occasion il y a des remplacements, j'essaierai de voir pour essayer d'en proposer un. Parce qu'en fait, je suis déjà content d'avoir mon créneau maintenant du jeudi du guide du collectionneur. Mais je voudrais aussi vous proposer à vous, même si des fois on est quoi, une vingtaine, j'aimerais vous proposer aussi d'autres choses pour pas avoir que le guide du collectionneur à vous proposer. Puis histoire aussi de moi de pas me lasser. Et puis aussi d'être un peu productif parce que je me suis aperçu, et à juste titre, que ben je postais plus rien sur YouTube. Donc là maintenant j'ai un créneau fixe sur la chaîne Rétro 1D. Mais j'ai d'autres concepts d'émissions qui pourraient éventuellement passer, même sur la TV1 de Gaming Live. Il faudrait que je... Ah, Ninja Gaiden. Alors, Mega Drive, Hard Cops et Ninja Gaiden. Beyond, tu as déjà participé, donc quelque part. Ninja Gaiden. Attention, Ninja Gaiden, moi je... Je l'avais déjà fait sur Twitch, c'est un jeu qui m'avait bien fait rager. Donc ça c'est Dash Speed. Ok, je le note. Agane sur Super Nintendo. Je le... Ah non, mais c'est encore... Non, Beyond This Life, tu m'auras pas deux fois. Il y avait eu quoi? Un contrat Hard Cops. Contrat Hard Cops. Et je crois que c'était sympa Panus. Hop, je le note. Sympa. Voilà, c'est noté. Après moi j'ai un genre de jeu que j'aime particulièrement, c'est les puzzle games. Donc éventuellement j'essaierai de voir à l'occasion, s'il n'est pas possible, de vous proposer peut-être une émission sur les puzzle games. Enfin sur les puzzle games. C'est pour moi un genre un peu vaste. Je dirais plus les jeux qui demandent de la réflexion. Parce qu'il y a des jeux qui sont plus des actions puzzle. Là actuellement je suis en train de faire en entier Kirby No Kira Kira Kids sur Game Boy. Et franchement je m'éclate, c'est un petit jeu que j'ai trouvé à pas très cher. C'est un papa nu, j'ai déjà pris ton contrat Hard Cops, à moi que tu veux que je change pour mettre une note de proposition. Par contre tu m'énerves, voilà. D'accord, ok. Continue à faire des propositions. Oula. Ah non, pas lui. Pas le loup qui... Goof Troop, moi j'adore. Hein. Moi, Goof Troop, pour moi, c'est pas un jeu de merde. C'est un jeu que j'ai terminé des dizaines de fois. C'est un jeu que j'adore. Donc j'essaierai déjà de faire un pilote pour l'émission spéciale Puzzle Game. Faudrait que j'essaie de trouver un nom déjà. Parce que moi, pour le coup, c'est vraiment un truc que je voudrais faire. Que c'est vraiment un genre de jeu auquel je passe rarement à côté d'un titre. Comme là, il y a Mario vs Donkey Kong, j'allais dire March of the Mini, mais non, c'est la suite. Enfin, c'est l'une des suites. The Typing Stars, voilà. J'ai acheté le jeu, je l'ai pas encore fait entièrement. Je l'ai commencé, le jeu, ouais, il me semble vraiment, vraiment sympa. Moi, c'est vraiment un Last Battle Mega Drive pour Puke. Ok, je note. Last Battle. Je l'ai d'ailleurs le jeu. Et c'était P.
Puck. Bionic Commando, j'aime pas le jeu. Puis Beyond This Life, tu as déjà choisi ce fameux Power Pigs. Il me semble que c'était toi, hein. Sauf que je l'ai dans mes notes. À la limite, Last Battle, ouais, on le fera en Jap, histoire quand même de passer le côté un peu débile, un peu kitsch du jeu. Donc ouais, j'ai potentiellement un truc sur les puzzle games dans mes cartons, déjà parce que j'adore ça. C'est là un de mes genres de jeux préférés. Et d'ailleurs, dans les puzzle games, il y a aussi des merdes, hein. Faut pas croire qu'il y a que des bons jeux. Ah tiens, petit abonnabis de gars, effectivement, ça pourrait être... Flo, tu as rien choisi cette semaine, je crois. Ah, I wanna be the guy, c'est vrai, ça pourrait être sympa, mais... Enfin, j'ai déjà vu le jeu un petit peu, donc je sais un peu... I wanna be the guy... Et c'est Flo, ok. Je le note. En fait, mardi prochain, donc que j'explique un peu le concept de l'émission à ceux qui n'ont pas suivi la semaine passée. La première heure, donc, on rejoue à Pac-Man 2 The New Adventure, parce que je veux voir la fin du jeu. Et en deuxième partie d'émission, en fait, avant l'émission, j'utilise un générateur de nombres aléatoires. C'est-à-dire, vous me donnez, en fait, des trucs. Par exemple, la proposition de Dash Speed, c'est la proposition 1. Sympa Panus, c'est la proposition 2. J'utilise un générateur de nombres aléatoires, et tac, ça me dit le jeu auquel je vais jouer. Donc, ça me laisse 5 minutes le temps de préparer l'overlay du stream, et puis voilà. Et je suis forcément obligé d'y jouer. Sauf si c'est un jeu où j'ai dit veto. Si c'est veto, je retire au sort. Alors, j'aimerais pouvoir faire ce truc en direct devant vous. J'essaierai de le faire la semaine prochaine, ça pourrait être plus sympa. Myst pour les puzzle games... Ouais, Myst, moi j'aimais bien. C'est des jeux qui étaient un peu lourds, un peu compliqués. Blues Brothers. Pourra le faire, effectivement. Parce que mon fil rouge actuellement, c'est de terminer le Pac-Man New Adventure, parce que j'ai vraiment envie de terminer ce jeu de chiasse. Il m'a tellement fait rager. Du coup, les jeux pas proposés, en fait, je garde les propositions, hein. Y a aucun problème, je l'ai noté. Il suffit après de barrer en fait la proposition qui n'a pas été choisie et puis c'est remis. À moins que la semaine d'après, vous avez repensé à un autre jeu et vous dites tiens, j'aimerais bien torturer Monsieur Chou sur ce jeu-là et puis... C'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui voyez. Bon, en tout cas, les amis, ça a été 2 heures très intenses. Je vais me sauver. Alors, faut bien donner une note quand même. C'est moins pire quand même que la semaine passée sur Home Improvement. Faut avouer quand même que le jeu est... En puzzle game, moi j'ai une collection de puzzle game assez intéressant. D'ailleurs, dans les puzzle game, on peut aussi inclure tout ce qui est jeu de réflexion, comme les point and click, des trucs comme ça. Ah bah tiens, c'est pas Flo qui dit ça. Après, faire une émission sur les point and click, moi c'est un truc qui pourrait m'intéresser, mais je crois qu'il existe un concept comme ça sur Gaming Live. Donc il faut aussi que je marche sur les plates-bandes à personne, non pas parce qu'on m'a dit de pas le faire, c'est par respect pour mes collègues. Enfin. Mais c'était quand même moins pire que la semaine dernière, mais je mets quand même 3 crottes de nez. La semaine passée, il me semble, j'avais mis 4 crottes de nez à Home Improvement. Là, je lui mets 3. Et Beyond This Life, tu m'as déçu. Mais bon, dès la semaine prochaine, tu pourras retenter ta chance en proposant un jeu de chiasse. Sur ce, les amis, on se retrouve jeudi de 19h à 20h pour le guide du collectionneur et dimanche. Après-midi, je crois que ce sera 14h-16h pour l'émission Arcade, pour Arcade Perfect. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, des bisous. Salut, salut !